Donc la question écologique a été très mise en avant médiatiquement cette dernière année, au Maroc surtout. Et on a vu, on a ressenti, nous en tant que médias, mais aussi en tant que citoyens, on a vu émerger une conscience écologique chez les citoyens marocains, que honnêtement, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelques années, ce n'était pas le souci majeur de quiconque. Est-ce que vous pouvez nous éclairer et nous dire si on a eu le même ressenti sur cet éveil écologique et comment vous l'avez vu, comment il s'est manifesté pour vous ? Mais écoutez, moi, votre témoignage déjà me fait chaud au cœur. Maintenant, moi, quand je le racontais, je l'ai raconté une fois à un journaliste, mais on s'est moqué de moi, mais c'est pas grave, c'est très bien. Peut-être que c'est ça qui a fait qu'en sorte que beaucoup de citoyens m'ont suivi, parce que j'ai provoqué des moqueries. Moi, je pense que le Marocain a été éduqué avec un sens de l'écologie qui est développé et exceptionnel. Le Marocain. Moi, je me rappelle, et je le dis encore, que quand on a grandi, je ne sais pas, vous êtes jeune, mais moi, j'ai grandi dans une ville et j'ai posé des questions, je vous assure, j'ai été curieuse, je voulais savoir si dans d'autres villes ça a été fait. Moi, j'ai grandi dans une ville où Moul Belli, le vieux habit, venait et criait vieux habit, vieux habit. Vous avez grandi à Fès. Ben, j'ai grandi à Fès, mais j'ai demandé à mes amis de Casablanca, ici à Rabat, j'ai demandé aux gens. Partout au Maroc, vous demandez à n'importe qui. On a grandi dans des maisons où on ne jetait pas le pain. Il y avait quelqu'un qui venait récupérer le pain sec. C'est vrai qu'on s'est recyclé pas mal de choses. Je ne sais pas si ça a été fait chez vous, mais chez moi, en tout cas, et autour de moi, et dans les gens que j'ai connus, ils ont grandi comme ça. On a grandi dans des familles où les bouteilles, il n'y avait pas de bouteilles en plastique, on avait des bouteilles en verre avec une consigne chez l'épicerie. Il y a un moment que ça s'est perdu. Il y a un moment que ça s'est perdu. Attendez, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. On a grandi dans des familles où les bidons de plastique, de l'huile, étaient vendus à quelqu'un qui venait taper à votre porte. Ils n'étaient pas jetés. Et donc, on a grandi dans des villages extrêmement propres. Allez dans n'importe quel village. Nous, on a grandi dans les champs autour de Fès, on allait en pique-nique et on allait dans les jnanettes et tout ça. C'était extrêmement propre, les petits douars et tout ça. Pourquoi ? Moi, j'ai grandi dans ça. Ifrane, tout était nickel et propre. Pourquoi ? Eh bien, parce que le paysan, il avait l'habitude. Quand on mangeait le dessert, la matière organique, on la mettait d'un côté parce qu'elle faisait le compost. Elle était mélangée au fumier, elle faisait le compost du jardin. Et tout ce qui était déchet, il était caché pour être incinéré pour le chauffage pendant l'hiver. Regardez les pratiques des Marocains. C'est ça le Marocain. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? On est devenu, on a développé la consommation. Société d'abondance. Écoutez, je ne sais pas s'il y a l'abondance dans certaines régions, mais on a oublié, ce sont des pratiques, c'est une éducation qui s'apprend et qui revient. C'est un petit, vous chassez le naturel et il revient au galop. Eh bien, notre naturel est bon. Il est foncièrement bon, le naturel du Marocain. C'est un Marocain qui est connu d'être propre, d'être hygiénique. Les femmes marocaines sont connues pour leur l'hdega, comme on dit. Tout ça, on a grandi dans cet environnement. Eh bien, revenons au naturel marocain. Il est magnifique. Écoutez, j'ai été, il y a quelques jours, chez des amis qui m'ont invité, sans vous donner le nom de la plage, qui m'ont invité à une plage qui est complètement délabrée. Quand je suis rentrée, je me disais, mon Dieu, les maisons sont en ruine, complètement délabrées. Mais j'étais impressionnée, il n'y avait pas un seul déchet par terre. Un seul déchet par terre. Et donc on a été en face de la mer, il y avait une population monstre. La plage était comble de personnes. En fin de journée, on était en train de regarder le coucher du soleil. Il n'y avait pas un seul déchet. Et ça, moi, ce jour-là, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis fière de mes frères et mes sœurs marocaines. Il n'y avait pas un seul déchet dans cette plage, pas un seul. Elle est là, elle est délabrée, la plage. Eh bien, les Marocains sont venus, nos citoyens sont venus, ils ont été à la plage, ils ont pris leurs déchets, ils sont partis. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a une association qui est là, qui a
me fait porter des t-shirts à des jeunes filles et à des jeunes hommes qui circulent pendant toute la journée chez la population. Vous avez de la poubelle. Et les gens ont commencé à voir que c'était honteux. Ils ne pouvaient pas jeter la poubelle par terre alors qu'il y avait des jeunes filles et des jeunes hommes qui étaient en train toute la journée de faire la poubelle. Parce que moi, ça m'a intriguée. Je me disais, pourquoi il n'y a pas de poubelle? Vous allez dans n'importe quelle plage au Maroc, au nord, n'importe où, vous allez trouver de la poubelle. Eh bien, il n'y avait pas de poubelle. Parce qu'il y avait un geste, et c'était le bon geste. Le geste, c'était celui-là. Il y avait une animation, les jeunes chantaient, dansaient, c'était magnifique. Et c'est une plage très populaire, et elle était magnifique. J'étais heureuse d'être là ce jour-là, parce que j'ai vu le bon Marocain qui voit, et il ne pouvait pas jeter, ben, passer dans la rue aujourd'hui. Mettez les poubelles, mettez quelqu'un qui vient de temps en temps nettoyer. Ben, le Marocain ne jettera pas de poubelle. Mais si vous passez dans le boulevard et que vous ne trouvez aucune poubelle sur le boulevard, et que vous trouvez des déchets, et ben le déchet appelle le déchet. Vous allez envoyer vos déchets par terre. C'est un apprentissage, c'est des pratiques, c'est l'exemple. Il faut que l'État donne l'exemple, il faut que la société civile donne l'exemple, il faut qu'il y ait une éducation à l'école, une éducation à la maison, et ça reviendra. Nous, moi je me rappelle, il y a 20 ans, nos villes n'étaient pas aussi propres, hein, il faut pas se leurrer. Il y a 20 ans, vous circuliez, vous rentrez dans des villes, c'était un cauchemar. Regardez aujourd'hui, on a réussi à donner à nos villes, c'est vrai que beaucoup de citoyens, moi j'ai rencontré une amie à moi il y a quelques jours qui me disait, il y a des rues sales dans une ville donnée, etc. J'ai dit, écoute, on évolue, mais il faut que l'éducation évolue. Il faut que nous donnons cette éducation à nos enfants, aussi à la maison. Nous avons un rôle en tant que mère, en tant que père à jouer, et les choses vont évoluer.